Non merci, ça va. Bonjour à tous, c'est Sorax, on se retrouve sur Alien Isolation. On était... Ah, attendez, on était resté ici. Attendez, je viens d'arriver là. Calme. Oh. Et il va pas tout de même descendre là. Je veux dire, je commence là. On reste calme. Bon, on est arrivé ici, hein. L'alien très très présent, hein. Il mettait une pression de malade. Je me souviens plus du code. Oh, faut que je regarde dans les fichiers, je crois. Voilà. Et il nous mettait une pression de malade, puis on était mort. Enfin, comme un gros caca. Ah, attendez. 25.05. Ok, je me suis retourné un petit peu vite. Il était peut-être derrière. Alors, 25.05. On prend la clé. Et on va même tout de suite sauvegarder, parce que j'ai pas envie de recommencer ça à chaque fois. Ok, oui, si on meurt. Récupère, voilà. On récupère, tu sauvegardes. Ça, on peut pas. Oui, oui, ok. On pouvait pas, oui, c'est qu'on peut faire qu'une sauvegarde par bordel. Oh, il est juste... Juste au-dessus, juste en face. Ok, il se déplace. Moi, ça me dit de sortir et d'aller, je crois, à gauche. Et je crois qu'il y a même un truc juste ici. Putain, j'ai fait le fou, j'ai fait le fou. En fait, attendez, je vais me rapprocher de ma chaise, là. On va se mettre bien. J'éteins le portable. Voilà, ça c'est bon. Il est où là? Il est où? Il est là-bas. Ok, il est derrière. Donc là, il n'y a rien. On est d'accord. Mais je contourne. Je préfère contourner. Alors. C'est 25.05, mais là, il n'y a pas besoin. Ok, lui, il est pas très bien. Je me souviens plus où on est là. Oh la vache. C'est un vrai cauchemar ici, ça baisse. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est n'importe quoi ce jeu. Qu'il fallait en face. Je crois qu'il est des méchants. Ok, alors il est descendu. Hein. Ok, là c'est... Putain. Il est en face, hein. Il est vraiment en face. Oh la vache, il fait une chaleur chez moi, c'est une horreur. Oh putain. C'est une horreur, hein. je dis pas, je suis comme un cochon, c'est insupportable. Alors, ça me dit d'aller derrière. Allons derrière. Ça va, où est-ce qu'il y a... Ah, on n'a pas encore de trucs pour sauvegarder, là. Ça me dit d'aller là. Ah oui, si je me souviens bien... Oui, 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 c'est bon. Il peut descendre là? Ouais, il peut descendre, bon. On va faire gaffe. Là, il y a un mec, et puis on récupère le kit de soins, si je ne m'abuse. Voilà. J'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. Oui. Évidemment. Ça, je me souviens plus. Voilà, donc là, il fallait que je sorte. Mais le problème, c'est que en fait, on était face... Calme. Du calme. Oh, j'ai envie de pisser en plus. on était face à un petit souci. C'est qu'il y avait des petits messieurs là. Et pour sortir d'ici, il faudrait passer les contourner, machin. Attends. Ouais, c'est calme là, c'est bon. Et faudrait les contourner. Et donc pour ça, alors, ils sont ici. Et nous, ce qu'on va faire, tout, on va faire, ça on peut pas, fumigène on peut pas, révolver on s'en fout. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage. Ça, on peut faire ça. Voilà, on va le fabriquer. Ça c'est ok aussi à l'alien. Après le problème c'est que là l'alien on s'en fout un petit peu, c'est les autres là, faut qu'ils avancent. Oui, ils sont en déplacement là. C'est en déplacement, on va les laisser passer. Ils viennent pas, hein. Attends, ça vient pas, non? Parce que la dernière fois, c'était pas venu. Vous venez pas, hein? Dire que je pensais détester Sixon. Oh putain. Attends, ils sont deux, ils sont un, ils sont deux, on sait pas. Ça bouge pas. Pourtant, oh, toi t'es vraiment mort, hein. Oh la vache, c'est même dégueulasse, hein. Il y a du son partout.
Bon, faut qu'il se pousse. Ah, on dirait que ça avance. Voilà. Et si je ne m'abuse, je crois qu'il faut aller ensuite à droite. Si je sors. Alors, attendez. On va sortir. Voilà. On y va tranquillou. Ok, ils ne nous ont pas vus. Alors, ça, c'est plutôt bon. Mets la carte à jour. Alors, ça me dit d'aller, ça me dit d'aller, d'aller, d'aller. Il faut descendre. Et pour descendre, ok, on va passer par ici. On fait attention. Au-dessus de nous. C'est pas par ici. La bouteille, elle vole. N'importe quoi, ce jeu, je vous dis. Fais-le en face. En face, ouais. Ah, attendez, on peut descendre, là. Je sais pas s'il peut aller là-dedans. Ça me dit pas où c'est, là, pour l'instant. Je me souviens un petit peu. La maison médicale Saint-Christobal recommande la mutuelle Sixon. Alors, la dernière fois, j'ai... Attendez, est-ce que ça peut descendre? Je crois pas, ça doit pas pouvoir descendre. Doucement, doucement. On récupère les munitions de revolver. Là, il peut pas descendre, c'est fermé. Il peut pas faire le malin, là. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé... Attendez, Ah oui, mais il peut ouvrir les portes, par contre, oui. Ah, s'il est au sol, il peut ouvrir les portes. Si c'est pas là. Toi, t'es mort, on s'en fout. Ici, il n'y a rien. Hein. Oui, ça me rassure de parler, de dire des choses inutiles. Parce que là, en fait, la dernière sauvegarde se trouve... What? Ça sera après à gauche, si je ne m'abuse. Attends, ce sera jamais autant servi de l'appareil, hein. Ça, on peut pas. Là, on va mettre la carte à jour. Voilà. Et là, ça me dit, voilà, il faut que j'aille à gauche. L'idéal, c'est que il va falloir sauvegarder après. Il y a un mec. Oh putain. On va passer. J'aurais jamais dû quitter le groupe. Tu m'étonnes. Ok. Qui se dépasse. Là, faut aller. Ah oui, mais ça va être fermé, je crois. Hop. Je crois que je suis plein dans les fumigènes. Ah, on est plein. Alors, et là. La réception du centre est un cul-de-sac. Non. Je peux pas sortir. C'est la seule sortie possible. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Alors, là, ça aurait été cool d'avoir une petite sauvegarde. Là. Le problème, c'est que la sauvegarde, elle est ici, mais on l'a déjà utilisée. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc il faut que je revienne sur mes pas. D'accord, ok. Super aventure. Vas-y, ouais. Casse-toi. On s'en fout des soins humains. Vas-y, barre-toi. Nous, on fait demi-tour. Ici. On se cache. Hein, chercher. Attendez. Ah là, attendez, il peut passer là. Il peut pas... Vas-y, on s'en fout. Là, il peut passer là. Là, il peut passer. Alors, on va pas passer en dessous. On va passer... Tac, 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 tac. On contourne. On se met pas devant, on sait jamais. Hein. Alors, je crois pas qu'il puisse sortir là. Non. Bon, là, il nous faut vraiment une sauvegarde. Parce que j'ai pas envie de tout recommencer. C'est bien par ici. Là, il y a une sauvegarde. Mais... Alors, putain, ils sont tous morts. La sauvegarde, on peut y aller directement là, ou comment ça se passe, hein? On va aller sauvegarder tout de suite. Ça, c'est fait. Ça, c'est bon. Ça, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. Voilà. Bon, alors, je suis aussi désolé. Hein, l'épisode d'avant, j'ai dit que je voulais pas qu'il fasse 40 minutes. Mais il a fait 40 minutes, hein, évidemment. Donc cette fois-ci, on va tout faire pour éviter ça. Alors, ah mais attendez. Alors, est-ce qu'il peut...
D'accord, c'est ça. C'est les trucs dehors. Est-ce qu'il peut ouvrir? Est-ce qu'il peut passer? Non, on ne sait pas, mais on va fouiller un petit peu avant. On s'en fout, on a sauvegardé, donc à la limite, s'il nous tue, on s'en fout. Ça, on peut pas passer. Ça, ce sera le générateur, j'imagine, à activer aussi. Et je regarde. On va aller voir le mec là s'il n'a pas un truc intéressant. Ouais, il est mort bizarrement, mais bon. Mais bon. J'ai l'impression qu'il est là. Ok. Ah, alors. Bon, je vois. Je vois, il y a un méchant. Enfin, un méchant. Façon de parler, hein. Et là, ok, il y en a deux. Alors, j'imagine, samedi, expérience, est blessé, donc on s'en fout, ça. Bon, ok. On va activer les deux choses. Le seul truc, c'est que... voilà. Active. Power level. Et le dernier. Ça va ouvrir. Ok. On va vite aller à l'autre. Parce que j'imagine que ça va... l'activer, non? Je crois que le mec, il allait sortir, quoi. Bon, de toute façon, les deux, je pense qu'ils vont sortir. Hop. Un dernier petit coup. Voilà. Ça va faire caca. Ok, il sort, toi. Je l'avais dit. Merde. Ok. Alors, il y a l'alien qui est là. Et qui vient de partir. Et là. D'accord. Maintenant que j'ai activé ça, ça me dit de faire quoi? Explorer mais non, mais on s'en fout. Ripley, est-ce que ça va? Ah bah non, ça va pas là. Concentrer un maximum. Putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils viennent par deux là? Par trois? Ok, j'aurais peut-être pas dû me cacher parce que j'ai l'impression que je vais pas sortir d'ici. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivage. On va sortir. Bisous. Ah, ils ont dû sortir. Ils ont... Ah, ils sont là, ok. Ok, ils sont là, mais moi, ça me dit d'aller... En fait, ça me dit qu'on est... On est, en fait, là où il faut aller. Bon, il n'y en a qu'un. Ce qui est plutôt bizarre. Attends, c'est... Ok, c'est vrai, je pensais qu'il allait en avoir deux. C'est quoi? C'est quoi la musique là? Pourquoi ça a fait ça? Oh putain, je crois qu'il m'a vu là? Non, il n'y a pas vu. Y a-t-il des choses à activer là? C'est assez bizarre. Oh putain, il est là. À la limite, j'ai un... Ok, alors là c'est pas bon. Hein. Oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Oh oh. N'hésitez pas à me demander des renseignements. Bon fumigène. Ok. J'ai l'impression qu'en fait ce que je dois faire, c'est mettre le mec sous une bouche pour que l'alien en fait le bouffe. Alors ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Combien? Il peut pas venir là. Mais je me demande comment ça se passe si en fait un robot et un alien se rencontrent là. Genre, est-ce qu'ils sont super potes? Je sais pas, est-ce qu'ils vont se checker et puis... Ok, il est là. C'est assez chaud, hein, j'arrive pas trop à savoir.
Et je me dis, ah, c'est, vous savez ce quoi? On va faire un truc. Voici une installation assistée par... Non, pas pour... on veut pas le lancer. On va le buter. On va le buter. Il est où? Et on va voir si l'alien se pointe. Bon, on va pas le buter. On va faire genre, il nous a pas vu, on l'a pas vu. Ça se trouve, c'est juste un barré en fait. Et c'est un truc que je ne vois pas. On va s'approcher. Regardez, il est là. Si, il y a un truc à faire. Si. Oui, on a vu, t'étais là. Ah, attendez, il est en train d'activer un truc là. Oh, je dois sûrement le faire ça. Il y a l'alien. Hop là, on va le baisser. Sixon et Sébastopol, un avant-poste du progrès. Est-ce qu'il s'est... il se barre? C'est bon là, il m'a pas hein. Là, je prends... je me suis décalé carrément de mon siège quoi. Je me suis dit, on sait jamais hein. Ah mais d'accord, c'est comme ça. Alors là, faut faire vite. C'est lequel? Ah putain! Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est une barbe? Oh putain! Bon. C'est la merde. C'est la merde. C'est... alors là, on peut passer. L'alien n'a pas l'air d'être là. On va passer en dessous. On va pas passer en dessous. On s'en fout. Et il m'a fait super peur. Oh le mec. Oh il est juste là. Je suis... Oh là. Oh, je suis dans une panique là les gars, je vous raconte pas là. Bon, c'est pas ici déjà. Je me suis trompé. Je vais voir s'il y a personne. Bon, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. À moitié. Hein. Ça me dit d'aller où là? Et maintenant, faut que j'y retourne. Et là, c'est fermé. Oh putain. Et donc, bah, j'imagine qu'il faut que je fasse tout le tour. Oh là 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 là. Bon, bah écoutez. Ok. Oh, mais l'alien, il me suit, quoi. C'est un pot de colle. Une bulle, bordel. Oh. Bah attendez, comment il a fait? Il est super rapide, le bordel. Il l'a vu, hein. Bah, pas moi, tu l'as pas vu, hein. Est-ce qu'on peut passer directement si je fais ça, ça? Ah ouais, mais ça fait... Ouais, remarque, si. Ça serait peut-être plus... plus sécu. Non mais, en fait, le truc, c'est qu'il était dans l'étage, enfin, dans le plafond, et puis d'un coup, là, bim, il se retrouve... Ok. Il le bute, hein, il l'a mangé. C'est pas moi, hein. Il arrive. Oh, j'ai chaud, je vous raconte pas, je vous jure. Il est en face. Ok, c'est... Ah. Oh non. On est mort, oh, je pense qu'on est mort. Ah ouais, je pense qu'on est mort là, c'est sûr, c'est obligé, je pense qu'il va nous faire peur. Oh bah le bordel, si, il doit être carrément sur le casier quoi. Ah putain.
C'est ouf quoi. On était carrément caché le bordel, il nous a sauté dessus quoi. Enfin il a tout défoncé. Voilà, ok, bon, on sait ce qu'il faut faire déjà. Donc moi je vais vous proposer un petit truc, on va essayer de la faire un peu plus cool. Et on va essayer, alors attendez, aveuglante, on va faire on va pas faire ça, on va faire ça. Alors déjà dans un premier temps on va faire ça, et dans un second temps, est-ce que, je sais ce que je vais me faire. Alors, on active ça. J'ai combien de fumigènes? J'en ai 6, ça sera plutôt bon. Vas-y, active. On va essayer d'attirer l'autre, en fait. De l'attirer, en fait, là où il y a l'alien. Juste pour voir. Je veux juste voir si ça fonctionne. Donc, on va se mettre le fumigène dans la main. Hop. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule. 3. Voilà. Ça s'ouvre. Là. Ok, il est là-bas. Est-ce qu'il y va? Attends, me dis pas que la ligne s'est déjà barrée. Ça m'a l'air plutôt anormal. Oui, mais c'est normal, va voir justement. Il est où là? Ripley, est-ce que ça va? Pas le moment. Ripley. Pas maintenant. Putain, mais il était juste au-dessus à tout à l'heure. Ok, alors, dans le pire des cas, je sais comment faire pour ne pas... pas perdre trop de temps. Là je vois il perd énormément de temps, il sait pas, il réfléchit. Je voulais simplement aider. Je crois qu'il m'a vu là. Ok, il m'a pas vu. Bon, il est pas là. Bon, la ligne, il fait quoi là? C'est quand même ouf quand même. Putain. Moi j'aurais bien aimé voir s'il allait buter le... J'allais dire le dragon, mais c'est pas le dragon. Bon, on va essayer de le buter normal. Tu me vois? Il a entendu. Tu crains le pire, effectivement. Voilà. Bon. L'alien n'est pas venu. Hop. Eh ben, on va te lâcher ça. Oups. Je me suis dit que l'alien quand même viendrait avec. L'alien descendrait en fait pour me buter, mais bon, il s'en fout complètement. Alors, bon, on fait comme ça. Je vais voir si on peut sauvegarder quand même aussi après. Ça et le E. Alors, c'est. Oh putain. On peut. Allez, ça va pourquoi, mais... courir, ça sera pas une bonne idée. On va prendre tout de suite le Ok, il est là. Le cocktail Molotov, on va le... Molotov. On va le garder sous la main au cas où. C'est bon, il est parti. Ici, alors, ici on peut pas, on avait dit, et c'était, voilà, il fallait que je redescende, machin et tout. Ah oui. Alors, attendez, on laisse faire son truc, là, il est dans le plafond. Ouais, est-ce qu'il va sortir? On sait pas. Et il a fait pas comme tout à l'heure, tiens. Donc c'est vachement aléatoire quand on regarde là. Hein. Mais on sait pas où il est là. Ouais, je veux bien. Hein. J'entends marcher, putain.
Casse-toi. Oh, on l'a défoncé. Ah putain, je suis content. Hein. Je suis plutôt content hein, de l'avoir défoncé. Il m'a fait... C'est pas moi qui fais ça, non? Putain, il m'emmerde. Il a pas trop aimé. Oh putain, fallait que je recharge. Ok. Oh, et les gars, on a trop géré là. Alors le problème... On l'a pas eu. Mais on se bat. Alors attendez. On se bat en courant. Ok, attendez. Oh, il y a encore un mec. On va recharger. Putain. Et on est dans la merde là. On est très très dans la merde. Ok, et là faut aller tout droit et à droite. Le problème. Ok. Ah ! Oh mais putain, il est pas. Quoi ? Ah d'accord. Je croyais qu'il ne m'avait pas du tout défoncé, sans malaise, il me faisait un petit câlin avant de me tuer. Les gars, c'est n'importe quoi. Putain, je suis deck là, on avait bien joué, enfin j'avais bien joué, j'avais fait peur, machin, il savait plus trop. On va faire un truc tout de suite, si on va recharger. Hein, je veux pas être face à un mec... Oh, on se calme. Ça, ok, est-ce qu'il est là? On s'en fout, de toute façon on passe. On a plus peur. Oh la vache. Et puis j'imagine il descend directement là. Non mais c'est que t'es là. Hein. Je parle pas trop. Ok. Oh, ça fait chier parce que d'un côté t'as les humains qui veulent te buter. Et de l'autre, t'as quoi? T'as l'alien qui veut te buter. Donc t'es un petit peu tout seul, j'ai envie de te lire. Oui, bah, il est un petit peu des infirmières. J'ai l'impression que le fait de courir, en fait, il aime pas trop. Tu me vois, toi?
tu me vois, tu vois pas. Ils sont bien faits quand même, les persos. Enfin, le mec, si, il a fait. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas. Sortez d'ici. D'accord. Ok, on fonce. Je pense qu'il va nous rattraper et nous buter. Ok, voilà, je suis désolé, j'ai mis pause, mais... Voilà, il nous rattrape. Non ! Attendez, frère. Et on est mort. Putain. Oh non. Bon, écoutez, on va se laisser là pour cette partie. J'arrive pas, je pense que je vais faire plusieurs essais en filmant. Et puis dès que j'aurai passé, je vous mettrai la bonne partie. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais pas que ce soit un épisode trop long. Donc c'est pas ça que je m'arrête ici. Hein. C'est lourd, c'est long, c'est chiant. Puis il fait chaud, c'est insupportable. Donc bref, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut à tous.